Passer des ténèbres à la lumière, qu'est-ce que ça change Beaucoup de choses, comme on va le voir dans cet épisode, et le changement est très concret. Notre texte, c'est Ephésiens 5, 3 à 14, qu'on peut justement intituler Des ténèbres à la lumière. Dans le dernier verset du chapitre 4 et au début du chapitre 5, les versets 1 et 2, Paul vient de donner des consignes positives concernant les relations entre chrétiens. Il a encouragé les lecteurs à pratiquer la bonté, le pardon et l'amour fraternel au sein de la communauté. Il enchaîne dans notre texte en comparant ce qui se passe à l'intérieur de la communauté avec ce qui se passe à l'extérieur de la communauté. Paul met en contraste le style de vie chrétien et le style de vie païen. Pour ce faire, il sollicite la métaphore de la marche, en plus de celle des ténèbres et de la lumière. Au verset 8, il dira marcher comme des enfants de Lumière. On peut découper notre texte en deux parties. D'abord, les versets 3 à 7. Aucune part avec ceux qui refusent d'obéir à Dieu. Dans cette première partie, Paul demande aux croyants d'éviter à tout prix les péchés du monde païen. Verset 3. Quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes sous toutes leurs formes et à la soif de posséder, qu'il n'en soit pas même question entre vous. Ce ne sont pas des sujets de conversation qui conviennent aux membres du peuple saint. Paul mentionne trois péchés ou groupes de péchés l'immoralité, qui est toute forme de conduite sexuelle illégitime deuxièmement les pratiques dégradantes sous toutes leurs formes c'est assez large et ça dépasse le domaine sexuel en grec c'est le mot impureté qui est employé et troisièmement la soif de posséder, qui est un désir insatiable d'en avoir toujours plus. Qu'est ce que ces trois groupes de péchés ont en commun? Il manifeste un égocentrisme aigu. C'est tout le contraire de l'amour qui se sacrifie, qui était mentionné au verset 2, juste avant notre texte. Ces péchés sont à prendre au sérieux. Paul va jusqu'à demander aux chrétiens de ne pas en faire des sujets de conversation, parce que cela ne convient pas aux membres du peuple saint qui sont consacrés à Dieu. Évidemment, Paul les mentionne, ces péchés, dans une liste comme celle-ci, donc il en parle, mais il tient à ce que ces péchés ne soient pas prise à la légère et à ce que les chrétiens n'en parlent pas de manière déplacée ou frivole dans leurs échanges courants. Verset 4, pas plus que les propos grossiers ou stupides et les plaisanteries équivoques. C'est inconvenant. Exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu. Ici, c'est le langage vulgaire qui est visé, les propos obscènes, les grossièretés, les blagues inappropriées. Paul dit que ces choses ne conviennent pas plus aux membres du peuple saint. C'est inconvenant. Et Paul donne l'antidote. Il nous encourage souvent dans cette lettre à remplacer le mal par le bien. Ici, il affirme Exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu. Voilà la marque distinctive du parler chrétien, les expressions de gratitude envers Dieu. Pour Paul, la reconnaissance, c'est une marque non seulement du parler chrétien, mais c'est aussi une marque du christianisme authentique. Quand on a été secouru par Dieu, on est reconnaissant, pas seulement sur le coup, pas seulement au début, mais tout au long de notre marche chrétienne. Est-ce que cette reconnaissance envers Dieu, elle s'entend dans nos échanges les uns avec les autres Ça devrait être le cas. Paul poursuit avec des avertissements sévères dans les versets suivants, verset 5, car sachez-le bien. Aucun homme qui se livre à l'immoralité, à des pratiques dégradantes ou à la soif de posséder, qui est une idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. En gros, dans, dans ce premier avertissement, Paul reprend les trois mêmes péchés qu'il avait mentionnés au verset 3, mais cette fois du point de vue des personnes qui les commettent. Il déclare que les personnes dont la vie est caractérisée par ces choses n'ont pas d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Les chrétiens, eux, ont un héritage. Dans le royaume de Christ et de Dieu. Paul en a parlé, cet héritage, à quelques reprises déjà dans cette lettre. Mais pas ces personnes. Elles sont exclues du royaume. D'ailleurs, ces péchés qui les caractérisent s'apparentent à une idolâtrie, au culte d'une idole. Une idole, c'est tout ce qui remplace Dieu sur le trône de notre vie. C'est sa propre personne ou une autre personne ou, ou autre chose qui devient le centre de notre vie. Comme Paul le dit en Romains 1,25, la créature est adorée au lieu du Créateur. Dans le royaume de Christ et de Dieu, ce sont Christ et Dieu qui sont sur le trône. L'avertissement est direct. On doit choisir entre deux styles de vie et on ne peut pas à la fois choisir un style de vie païen et le royaume de Christ et de Dieu. Les deux s'excluent mutuellement. Verset 6. Que personne ne vous trompe. Par des discours sans valeur. Ce sont ces désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Ne vous associez pas à ces gens-là. Paul ne change pas de sujet ici. Les discours sans valeur qui sont trompeurs, ce sont les discours qui affirment que ces péchés devraient être tolérés dans l'Église. Paul pense au danger continuel d'être influencé par la société ambiante dans notre façon de penser et d'évaluer les comportements. Un auteur chrétien a écrit ceci. Ce qui un jour était impensable devient pensable, puis faisable et enfin acceptable. Le péché a pris une apparence respectable, si bien que les chrétiens finissent par l'adopter. J'ai le sentiment, dit cet auteur, que les chrétiens acceptent la plupart des pratiques du monde, simplement avec un décalage de cinq à dix ans. Paul émet un deuxième avertissement ce sont ces désordres qui attire la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Les comportements répréhensibles décrits dans les versets 3 à 5 attirent la juste et sainte colère de Dieu qui ne tolère aucun mal dans sa présence. Par conséquent, verset 7, ne vous associez pas à ces gens-là. Il ne s'agit pas d'éviter tout contact de façon absolue, il faudrait quitter la société. L'idée, c'est plutôt de ne pas s'associer de quelque façon à ces pratiques. Il faut s'en dissocier, tracer une ligne. Seconde partie de notre texte, autrefois dans les ténèbres, maintenant dans la lumière. Et en quelque part, cette seconde partie explique la première qui se focalisait sur le comportement. On va maintenant comprendre pourquoi Paul nous a dit tout ça. Verset 8, autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière. Littéralement, le débit du, du texte, autrefois certes, vous étiez ténèbres, mais à présent vous êtes lumière dans le Seigneur. Pourquoi ne pas commettre de tels péchés en tant que chrétien En raison du changement grandiose qui s'est opéré dans notre vie lors de notre conversion. On est passé du règne des ténèbres au règne de la lumière. Il ne s'agit aucunement de regarder les autres de haut. De dire avec arrogance, moi chrétien, je suis éclairé, les non-chrétiens sont ignorants. Non, c'est la grâce de Dieu qui a opéré ce changement en nous. C'est par notre union avec le Seigneur qu'on a été transféré dans le domaine de la lumière. Par conséquent, nous dit Paul, comportez-vous donc comme des enfants de lumière. Littéralement en grec, marchez comme des enfants de lumière. Paul emploie une fois de plus la métaphore de la marche, que ce changement se voit dans votre style de vie. Et ici la lumière, c'est surtout la sainteté, l'obéissance à Dieu. Les ténèbres, c'est l'immoralité. Pour les chrétiens qui sont lumière, vivre dans l'immoralité serait une contradiction. Verset 9. Car le fruit produit par la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Le fruit, c'est le résultat, c'est le rayonnement de la lumière sur le plan éthique. On est proche du fruit de l'esprit de Galate 5, 22. Être lumière, c'est avoir en soi la puissance divine qui produit des résultats concrets. Verset 10. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. On est appelé à examiner les choses pour déterminer l'action appropriée, celle qui plaît à Dieu. Maintenant, les versets 11 et 12. Ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt, car tout ce que ces gens-là font en cachette est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Ici, Paul met côte à côte la non-participation et la dénonciation. Ce qu'il s'agit de dénoncer ou de démasquer, ce ne sont pas les personnes, mais ce sont les pratiques stériles. Les chrétiens exposent ces œuvres mauvaises pour ce qu'elles sont vraiment. Ils jettent la lumière sur ces choses et ils le font sans doute en bonne partie. Par leur conduite empreinte de sainteté. La conduite des enfants de lumière révèle les œuvres mauvaises pour ce qu'elles sont. Bien sûr, il y a aussi des moments où on doit dire quelque chose, mais toujours avec humilité, en tant que pécheurs gracié par Dieu, qui n'aurait jamais pu sortir des ténèbres par ses propres moyens. Verset 13 Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. Or, ce qui paraît à la lumière est lumière. Dans ces versets, Paul décrit le processus par lequel les ténèbres sont transformées en lumière. Oui, la lumière peut avoir un effet transformateur. Ce qui se passe parfois, c'est ceci. Les péchés des non-chrétiens sont exposés par le comportement des chrétiens. Certains non-chrétiens abandonnent les ténèbres du péché, ils se repentent, ils répondent à la lumière et deviennent à leur tour lumière comme les lecteurs. Au verset 8, autrefois vous étiez ténèbres, mais à présent vous êtes lumière dans le Seigneur. La lumière peut donc produire deux effets, elle démasque et elle transforme. Tout cela est confirmé par la fin de notre texte. Verset 14, de là viennent ces paroles. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ fera lever sa lumière sur toi. Paul s'appuie ici sur des extraits du prophète Esaïe, Esaïe 26, 19, Esaïe 60, versets 1 et 2. Et ces paroles, elles s'adressent directement aux non-chrétiens. C'est un appel à la conversion, un appel au passage de la mort spirituelle à la vie, des ténèbres à la lumière de Christ. Paul est en train de dire, quand on annonce l'évangile aux non-croyants, ce qu'on leur dit, en quelque sorte, même si on n'utilise pas forcément ces mots-là, c'est Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ fera lever sa lumière sur toi. Et pour les personnes qui acceptent ce message et qui se tournent vers Christ, la lumière apparaît. Quelle est la vérité centrale de notre texte Nous sommes passés des ténèbres à la lumière, vivons en conséquence, marchons comme des enfants de lumière, portons le fruit de la lumière, ce qui est bon, juste et vrai. Père céleste, nous voulons d'abord t'exprimer notre reconnaissance. Christ a fait lever sa lumière sur nous. Nous étions ténèbres, maintenant nous sommes lumière grâce à lui. Ce changement profond de vie, il s'est fait par ta puissance et par ta bonté. Donne-nous de nous tenir loin des pratiques des ténèbres, de tout ce qui te déplaît, de toute idolâtrie, l'immoralité les pratiques dégradantes, la soif de posséder, qu'en nous regardant vivre, les gens puissent voir ta lumière et qu'ils soient à leur tour attirés par cette lumière. Au nom de Christ. Amen.